Avec le numérique, au début des années 2000, là, j'abandonne le studio et je vais choisir mes sujets dans la nature. Et donc, je choisis généralement des sujets graphiques, par exemple, les arbres. J'ai beaucoup travaillé sur les arbres. Et donc, je ne fais plus, évidemment, de collage à la prise de vue. Là, ça va être des collages. Une fois que j'aurai travaillé sur un sujet, que j'aurai fait beaucoup de prises de vue en tournant autour pour bien trouver ce qui m'intéresse dans ce sujet, comment le valoriser. Et après, donc pareil, planche contact, choix des parties qui pouvaient être ensemble et valoriser le sujet. Et donc, je fais à ce moment-là des collages à l'ordinateur en choisissant sur plusieurs images, les morceaux que je vais coller. Ça peut être un seul morceau, comme ça peut être plusieurs, mais ce n'est pas visible, ce n'est pas un collage qu'on va voir. Mais donc, il faut aussi que ça soit, pareil, une musique qui me plaise, que ce soit un moment particulier du collage qui corresponde bien au sujet. Et puis, donc, je peux aussi, soit un sujet est tourné autour, soit dans le même sujet, par prendre une partie plus signifiante. Par exemple, deux arbres dans une allée d'arbres qui se ressemblent et que je vais en choisir deux, que je vais mettre ensemble pour un jeu mélangé de leurs branches. C'est du collage à l'ordinateur avec Photoshop. Et toujours sur des fonds simples, donc je les extrais de la nature pour les valoriser tout seuls, eux-mêmes. Voilà. Et donc, à partir de ce travail sur les arbres, j'ai choisi d'autres choses qui m'intéressent dans la nature. Et en général, c'est des capteurs de lumière, c'est graphique. Et j'ai fait un travail important dernièrement sur une graine qu'il y a dans mon jardin, qui s'appelle les lunaires. On les appelle monnaie du pape, mais à cause de la partie centrale de la silique. C'est la partie qui est blanche, lumineuse, et qui fait penser à une monnaie d'argent, et qui capte bien la lumière. Et donc, j'ai d'abord travaillé sur les branches entières de silique, puis, découvrant cette partie centrale extraordinaire, j'ai beaucoup travaillé sur ces siliques elles-mêmes, dénudées de leurs graines. Et donc là, dans cette dernière partie de cet été, j'ai carrément pris des petits morceaux de monnaie du pape, donc de cette partie centrale, que j'ai collé sur un fond noir à l'ordinateur. C'est-à-dire on peut avoir un rectangle de noir 100%, et c'est sur ce noir que j'ai collé que j'ai collé donc différents morceaux de silique, et peu à peu, en jouant les déplacements, en variant justement les morceaux, les déplacements, j'ai construit une espèce de rythme de silique entre les ronds des siliques lumineux et les petites tiges sur lesquelles ils sont, les petits bâtons sur lesquels elles sont attachées. Et donc ça fait un jeu de rythme entre ces petits bâtons raides et la brillance et la rondeur des monnaies du pape.